bam, ça tourne. Bonjour, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On est en convoi de bagnole, on est en train de partir à Calais, c'est magnifique. Bref, alors aujourd'hui, après l'achat de cette GoPro Hero 5 Black, il est temps pour moi de la tester un petit peu en situation réelle. C'est-à-dire, situation vraiment typique, voiture, bruit, pluie, route, bordel. Là je filme en quoi? Je filme en 1080p à 50 images par seconde. Je suis en mode de vue large. Vous avez super view, large, medium, linéaire et un autre mode, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin voilà, vous avez plusieurs modes d'image. Donc là je suis en mode large, sachant que le mode super view fait beaucoup plus bulle. Voilà. Les irrégularités de la route, tout ça, etc. Le bruit de la voiture, comme ça on peut voir exactement comment elle se comporte. C'est une vidéo que je vais mettre brut de pomme comme ça sur YouTube. C'est fait exprès. Parce que je vais pas m'emmerder avec du montage. J'ai envie que vous voyez. Mange-toi. Les gens avancent pas sans déconner. J'ai envie que vous voyez vraiment ce que peut sortir cette GoPro. Donc, la GoPro, cette GoPro peut filmer elle peut faire de la 4K, mais pour les ralentis, c'est un petit peu chiabasse parce que vous avez que de la 30 images par seconde. Il est parti où ? Putain ! Là, je pense. Prends notre route. Excusez-moi. Donc, là-bas, tu vois ? Là, juste là ? Mais regarde, il est tourné là-bas à gauche. Oh, j'ai pas vu, non ? Il est où ? Il est tourné à gauche. Et voilà. Parce qu'on est censé suivre quelqu'un, mais on est là, hein, mec. Bah ouais, mais il y a des autos, ça se dépêche pas. Allez, il est rouge, vas-y. Parce que les gens en France savent très bien conduire, hein, c'est incroyable. Donc alors, elle peut faire de la 4K à 30 images par seconde, de la 1080p jusqu'à 120 images par seconde, pour les ralentis c'est pas mal, et de la 720p, de la 480, je sais plus, à 240 images par seconde. Donc là encore, pour les ralentis, vous pouvez faire du sale, vraiment du sale. Je suis désolé pour l'interlude de bagnole là, qu'on a eu, la France, hein, encore une fois. On entre sur une rocade, donc nécessairement, on doit envoyer de la patate. Il y a la pluie, le bruit de la route, le bruit de la voiture. Voilà un petit peu comment ça se comporte. Voilà. Ça devient bruyant. Ça devient bruyant. Donc je pense qu'on n'entend plus forcément très bien. Mais c'est normal. C'est parce que sur cette GoPro, il y a trois micros. Deux ou trois micros, je ne sais plus exactement. Et en plus, j'ai le caisson tout court. Bravo. Et c'est une belle évolution quand même par rapport